trop mal. C'est un temps de branche. Sur le bras et sur le bras. Il m'a célébré le bon adoré. Il dit, mon âme bénit le Seigneur, mon âme célèbre le Seigneur. Aujourd'hui, nous devons célébrer la victoire de Jésus sur le corona, la victoire de Jésus sur le chômage, la victoire de Jésus sur les choses qui ne sont pas Dieu. La victoire de Jésus sur beaucoup de choses. Et c'est ça le plus important dans cette vie. Et sur tous ceux qui ne l'ont pas, le Christos. Et nous sommes là, on adore ensemble. Écoute cette chanson. Et donne-toi véritablement à Dieu. Donne-toi véritablement. C'est important. C'est bon. Et que tu le saches. Oui. C'est important ça. Adore Dieu. Adorons Dieu. Louons Dieu. Oh oui. Il faut le faire. Pense à tout ce que tu me regardes, tout ce que tu reçois. Sache que Dieu est comme toi. N'aie pas peur. Ne sois pas trompé par les belles paroles des gens. Les familles adorées. Les paroles de Dieu. N'aie pas honte de dire que Jésus t'a sauvé. N'aie pas honte de témoigner dans le but. N'aie pas honte de prêcher. Enseigner la vérité. Oui, aujourd'hui nous enseignons des mauvaises choses. Oui, on veut ceci, on veut cela, on veut ça. Mais on oublie l'ultime chose qui est que Dieu a révélé, Dieu va créer. Ce n'est pas pour être aussi hyper riche dans tout. Non, mais c'est pour l'adorer, c'est pour le louer. Donc, la richesse que tu possèdes, le travail que tu as, ta voiture que tu possèdes appartient à Jésus. Il faut louer Dieu avec ça. Il faut le faire. C'est important, frère. C'est important. Il faut que le fâcheur. C'est important. Tu ne le fais pas. Jésus ne sera pas content de toi. Je suis après lui. Mais il faut le faire. Que Dieu le bénisse. Que Dieu soit avec nous. Ah, je coupe ça, il faut danser, il faut chanter, il faut célébrer, il faut être en joie. Quel que soit le problème, la nouvelle qu'on t'a donnée, c'est frère, sache-le que tu dois célébrer, tu dois chanter, tu dois adorer le Père, tu dois le faire, c'est important. Parce que Satan, parfois, quand tu nous mets dans le problème, il pense qu'on sera, on va se morfondre, on va crier après. Mais il faut célébrer, quel que soit les crédits des gens qui sont sur toi. N'aie pas peur, Dieu va payer ça. Il a acquitté toute tête. Tu seras acquitté, frère. Tu seras acquitté. Je le dis, ce n'est pas en un jour mort, mais le Dieu créateur. C'est en son nom que je te dis ça. Le Dieu créateur. Donc, célèbre, oublie tes soucis, oublie tes problèmes, tes choses. Il y a une chose que les gens font. N'oublie pas qu'il est Seigneur, n'oublie pas qu'il est roi, n'oublie pas qu'il est vainqueur, il est puissant. Oui. Dans sa puissance, dans sa grandeur, personne ne doit se séparer de toi, de lui. Ni la honte, ni la peur. Ni la tristesse, ni les problèmes de toi, s'éloigner de lui, Christ. Même ni les gens, tes amis, tes compagnons, ne doivent t'éloigner de Jésus. Frère, je ne suis pas en train de te mentir, je ne suis pas en train de te raconter des rabots, je ne suis pas en train de dire des choses qui n'existent pas. Mais je te dis des choses qui sont véritables. Tu comprends? Je te dis des choses qui sont véritables. C'est certifié. Donc, je vous garde, je vous tiens à l'œil, je vous dis. Adorons-le. N'aie pas honte. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, prie ton Dieu.
adore ton Dieu dans la structure dans laquelle tu es. Il faut le faire. Fais tout. Les gens feront tout. Satan va faire tout. Parce qu'il dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il la dévorera. Nous sommes des adorateurs de Christ. Nous devons le faire. Tu es en public, quand on te voit, tu ne ressembles pas à un chrétien. C'est parce que tu ne te ressembles pas. Frère, que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison, que tu sois dehors, mais quand on te voit, on peut sentir que celui-là, c'est l'enfant de Dieu. C'est important que ça se sente dans ton adoration, que ça se sente dans ta manière de parler, que ça se sente dans tout ce que tu fais, parce que tu n'as pas honte de dire que tu es un chrétien. Aujourd'hui, parfois, quand on est dans cette structure, quand on est dans cet endroit, des chrétiens nient le Dieu, ni que Jésus est leur roi, ni qu'ils sont chrétiens. Non, faut pas nier, faut taper la poitrine que je suis en Jésus-Christ. Moi, je suis un Jésus-Christien, je suis un chrétien. Vous comprenez? C'est important. C'est important. Personne ne doit nous détourner de Jésus. Personne. Il dit qu'il ne doit pas te détourner ni à gauche ni à droite. Oh frère, préfère Jésus. Préfère Jésus. Moi aujourd'hui, je préfère Jésus. Tout le monde en fait des choses. Les satans, les démoniaques, ont fait des choses pour nous éloigner de Christ. Mais nous devons véritablement les contrecarrer par le fait que nous croyons en Christ. Nous ne nions pas qu'il n'est pas notre Seigneur. Parce qu'il est le maître de la même chose. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas un jugement. Je ne suis pas en train de dire avec vous. Je suis en train de dire des choses. Mais aujourd'hui, tu es là, tu m'entends. Il faut que tu le saches. Préfère Dieu. Et Jésus doit être le seul. Le top doit être ton sauveur. Doit être ton rédempteur. De toutes choses. Pour tout ce que tu fais. Et ainsi, tu recevras la grâce. Tu recevras la paix. La joie du cœur. Tout ce que tu feras, ce sera béni. Parce que en premier, tout ce que tu fais, ça appartient à Jésus. Sois béni, sois célébré. Que Jésus étend sa main sur ta grâce, sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires, sur tes projets. Et que tout sorcier qui se prendra pour qui se décompte toi, j'ai dit, commence à le briser. Commence à tailler ses sorciers. Taille-les bien. Brise les yeux, casse les yeux, casse les tympans, brise tout. N'aie pas peur. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a essayé de te manipuler pour te dire que tu n'as pas le pouvoir parce que tu as péché. Frère, ton péché, Dieu a pris sa croix. Jésus-Christ a pris sa croix. Ta masturbation, Jésus porte ça. Donc toi, aujourd'hui, donne-toi véritablement à Christ. Tu verras les grandes choses. Que Dieu va faire. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au nom de Jésus. Amen.